Bonjour à tous, Vincent. Alors on est parti faire le semis des cucurbitacées. Je vais vous expliquer ce que c'est. Allez, on va semer sous la serre encore. Nous sommes le 15 avril. C'est la bonne période pour semer les cucurbitacées. J'en ai juste fait 4. De bonne heure, il y a 14 jours, que je re-rempoterai une autre fois. Dans des plus grands pots, à environ le double de ces pots en profondeur, parce que nous allons les planter que à partir du 14 mai. Je ne sais pas si vous connaissez les trois saints qui se terminent le 13 au soir, c'est les saintes glaces qui peuvent faire du mal. Alors, dans le coup, j'ai racheté des rougisses d'estampes. J'en avais pas fait l'an dernier, mais j'ai envie d'en refaire. Des potirons. Après les potimarrons que j'ai récupéré d'un de mes fruits. C'est assez facile à récupérer. Vous voyez, j'avais mis ça à sécher dans deux papiers absorbants. Et après, je les ai mis là-dedans pour les reconnaître. Les graines, elles sont belles. C'est ce qui fait les petits potimarrons que vous voyez dans le commerce. Après, des trombolinos, pareil, que j'ai fait de ma semence. Ça ressemble à peu près à des grandes trompettes. C'est pour ça qu'ils appellent ça trombolino. Vous voyez, les graines, elles sont un peu plus petites. Ça ressemble un peu à la courgette, mais c'est des courges quand même. Et ma fameuse courgette élite, que je vais vous montrer découpée, celle de 2017. Ça, j'avais pas dédoublé. Vous voyez comment ça fait quand ça sèche, c'est accroché. Voilà, ça fait des belles petites graines. Bon, là, j'en ai largement de quoi faire. C'était la courgette, elle faisait 4,7 kg. Je récupère quand même, dans la mesure du principe, toutes les graines. Pour moi, la nature nous l'offre, alors je récupère tout ce qu'elle m'offre. C'est comme les plantes tomates, là. Il y a des rescapés. Ils sont pas jolis, mais je voulais pas les jeter. On jette jamais les plantes chez nous. Après, comment procéder au semis? Déjà, il faut remplir de terreau de semis. Là, vous voyez, il y a environ un petit centimètre de rebord qui manque. Dans le coup, on va semer individuellement pour faciliter le rempotage, bien les espacer. Là, j'en ai déjà 4, je vais en mettre 15 courgettes pour ensuite en ressemer dans 2 semaines. J'aime bien étaler les semis
Mais je vais faire le gros du semis des cucurbitacées ce week-end là. Je vous rappelle, on est le 15 avril. Voilà comment faut procéder. Après, j'ai des petits... Là, ça sera pour les potimarrons de tout à l'heure. Faut que je retrouve les petits marquants. C'est tout simple. Un morceau de litho. Là, c'était un bidon d'huile que j'ai découpé à ma guise. Bon, c'est pas trop joli, mais ce qui compte, c'est de se repérer. Pas mettre des courgettes à la place des courges. Vous verrez dans les mois à venir, les trombolinos, ces courges-là, c'est impressionnant la place qu'elles prennent. Après, une fois que je les ai mis bien en ligne, on prend du terreau de semis. On prend du terreau de semis. Et on met environ 0,8 à 1 cm de terre. Il faut bien tasser. Alors, je vais pas vous montrer tous les semis parce que je vais en mettre... deux en potiron, des roses vives d'estampes aussi. Là, je vais en faire 4. Dans le coup, je vais remplir 2 bacs à poissons. Et du coup, je vais modifier. Je vais enlever les tomates maintenant qu'il prévoit du soleil et qu'elles ont bien poussé pour les enlever du châssis. Je vous remercie et à bientôt. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce et un commentaire. À bientôt.